por lo que vas a ser destruido. Quelle est la raison de votre hostilité envers Lyndon? Nos motivations sont opposées et irréconciliables. Je suis motivé par l'honneur et l'altruisme. Lui n'est motivé que par la bourse qui pend à sa ceinture, et celle qui se trouve en dessous. Tout simplement pas être tué. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Son sang est de sable, et son rire nous nargue. Il n'y a plus qu'une solution. Nous allons séparer sa tête de son corps, et cacher celui-ci dans le royaume des ombres. Avez-vous plaisir à ma compagnie? Vous semblez bien silencieux, mais j'imagine que vous avez souvent l'esprit occupé. C'est effectivement le cas. Je suis sûr que vous me pardonnerez de ne pas être tout à fait dévoré par la compassion. Le portail des ombres. Faisons ce que nous avons à faire. Les Oradrim m'ont mis tout cela en place pour enfermer mon corps. Il semblerait qu'ils aient été très en colère contre moi. Il n'était pas en leur pouvoir de vous tuer. Quel autre choix avaient-ils? Ils ont toujours manqué d'imagination. Ces ennemis défient l'entendement! Thank you.
besoin d'esprit. Cet endroit, c'est un monde de pures ténèbres. J'arrive à peine à respirer. Nous avons tous deux goûté au pouvoir des Néphalèmes.
Faites alliance avec moi, et nous deviendrons les maîtres du monde. Vos divagations me fascinent. Je n'ai plus assez d'esprit. Je ne peux pas. Ghoul me raille à chacun de mes pas. J'essaie de l'ignorer, mais son bavardage est incessant. Il prend plaisir à me provoquer. Je ne monterai pas à l'action. Je ne me mettrai pas à son niveau. Il y aura toujours du silence qui régnera une fois que j'aurai caché sa tête. Ce qui est sacré. Avez-vous vu cet ennemi ? Pas assez d'esprit. Je n'ai plus assez d'esprit.
Je détiens le corps de Kul. Alors je vais lancer le rituel. Mais je vous préviens, Kul, vous n'avez pas intérêt à nous jouer un sale tour. La duplicité est partout autour de vous, jeune fille. Je ne suis que le cadet de vos soucis. Léa, concentrez-vous. Cela ne prendra plus très longtemps. Juste un instant. C'est presque... Oui. Déferle en moi. L'air fétide vient emplir mes poumons ravagés. Ah, je reviens. C'est ça, de rien. Nous avons honoré notre part du marché. Donnez-nous la pierre d'âme, Kul. Très bien. Une promesse est une promesse. Vite, à mon sanctuaire. Je ne sais comment c'est arrivé, mais les âmes du défunt seigneur des enfers ont été absorbées par la pierre. Abandonnez votre quête, Néphalem. Vos alliés ne cherchent qu'à vous manipuler. Grâce à la puissance que je vous offre aujourd'hui, vous et moi pourrions devenir les maîtres de la création. Vous avez perdu la raison. Donnez-moi la pierre, je vous anéantis. Je ne suis pas prêt. J'ai engagé trop de ma puissance dans la création de la pierre. Je... Cette pierre renferme désormais 5 seigneurs des enfers. Vous en êtes la responsable, Adria. Il y a 20 ans, quand les ténèbres se sont abattues sur Tristram,
Kane m'a parlé de la pierre d'âme sacrilège de Zoltun Kul. C'est pour ça que tu m'as abandonné. T'es parti marquer les âmes des démons pour qu'elles puissent être aspirées dans la pierre d'âme. Oui, ma fille. J'ai tout sacrifié pour ça. Je retourne en ville. Je ne savais pas à quoi m'attendre en retrouvant ma mère, mais certainement pas à ça. Elle n'est pas comme je l'imaginais. Je vois le poids que sa mission fait peser sur elle, tout comme avec mon oncle. Que ferons-nous une fois Belial et Asmodan emprisonnés dans la pierre d'âme? Je fracasserai la pierre, et les sept n'existeront plus. À Tristram, Deckard Cain m'avait parlé d'une pierre d'âme noire taillée par un renégat Oradrim. Je n'y avais pas fait attention sur le moment, mais j'ai plus tard compris son importance. Je savais que les essences des cinq seigneurs des enfers étaient restées dans notre monde après leur mort. J'ai passé les 20 dernières années à trouver où elles reposaient et à les préparer à être absorbées par la pierre quand elle serait enfin achevée. Achevée? La première tentative de Kul avait été interrompue. Mais maintenant que la pierre est enfin activée, les seigneurs des enfers ont été enfermés dedans. Il y a une chose que vous devez savoir. J'ai donné toute ma vie et quitté ma propre fille, la chair de ma chair, pour traquer Belial et Asmodan. Ne remettez pas mon implication en cause. J'ai sacrifié plus que n'importe qui, et je sacrifierai plus encore avant que la fin n'arrive. Contrôler la pierre d'âme noire sera périlleux. Mais vous en serez capable, n'est-ce pas? Ce ne sera pas moi qui le ferai. Léa est la seule à pouvoir la dominer avec mes instructions. Son pouvoir est bien supérieur au mien. Grâce à lui, nous réussirons. Pensez que je pourrais voir cette pierre d'âme de près? Je n'ai encore jamais rien vu de semblable. Je ne suis pas convaincu que ce serait une bonne idée. Vous m'offensez! L'objet de mes recherches est tout aussi dangereux que cette pierre. De plus, mon expertise pourrait vous être utile. Après tout, je pense pouvoir me considérer comme une sommité en matière de pierres précieuses et autres gemmes.
J'ai de nouvelles marchandises toutes fraîches d'aujourd'hui. Regardez donc, vous m'en direz des nouvelles. Nous devons parler à l'Empereur. Il a dit qu'il pouvait nous mener à Bélial. Vous pensez vraiment pouvoir faire confiance à cet enfant? Nous n'avons pas le choix. Mais sachez-le, si Bélial est aux abois, il mettra Caldeum à feu et à sang. Alors avant de l'affronter, il faut évacuer les habitants. Les loups de fer pourront nous aider. Il faut sauver ces gens, mais nous devons faire vite.